permet quand même d'essayer de se retrouver ensemble. Et moi, j'en profite pour vous dire que si on est ici dans ce lieu pour boire un verre ensemble, c'est justement pour remercier les grands drapeaux, leur travail habituel, tous ceux que je croise tous les jours à la Triomphe, ceux qui sont dans les cérémonies, ceux qui sont présents toute l'année, ceux de vos associations, c'est pour ça qu'on est là. Je suis désolé que la série que moi j'ai jouée avec la musique n'est pas venue. Croyez-vous dans la piste. Importante pour l'amitié franco-américaine qui va se dérouler maintenant. Je rends hommage à Monique Sitté-Brouillet pour tout le travail qu'elle fait depuis des mois et plus au nom de l'amitié franco-américaine et pour célébrer, comme elle l'a dit, commémorer un moment très important pour notre histoire, même si ses interprétations ont été controversées. N'empêche que le président Clémenceau a fait signer ici le 28 juin 1919, ce fameux traité de Versailles, mais ne serait-ce que en l'honneur de tous les Samis et tous les Français qui sont morts, et du président Clémenceau, il est bon que vous y soyez. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à être d'habitude aux Invalides. Merci d'avoir fait le saut jusqu'à Versailles. Je vous rappelle que c'est un monument contemporain des Invalides, hein, c'est la même histoire. Et donc merci de venir marquer cet événement historique. Merci pour votre présence, votre disponibilité, votre rigueur habituelle. Continuez. Alors le gouverneur nous a encouragé, moi je vais vous parler de l'amitié franco-américaine et remercier Mme Siegfried d'avoir mis en avant ce soir ce thème important. Moi-même, je travaille pour une fondation franco-américaine qui s'intéresse à l'histoire depuis la guerre d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, des relations entre nos deux peuples. Et en particulier, il y a une très belle exposition aux Invalides en ce moment sur l'amitié personnelle entre le général de Gaulle et le général Eisenhower. Donc c'est une première exposition. Il y aura plein d'activités comme ça, en relation avec. S'il vous plaît, pardonnez-moi en français. Pour la Commission centenaire de la Grande Guerre des États-Unis, je vous remercie pour votre service ce soir. Il est très, très chaud. For the American people, the United States World War I Centennial Commission, thank you so much for your participation in the event. Thank you. Madame Pégard, directrice de Versailles. Moi, je suis la présidente du château de Versailles et je suis très heureuse d'avoir pu vous accueillir ce soir. Je vous remercie d'être venue pour commémorer avec nous le centenaire du traité de Versailles. Et j'espère que vous garderez, malgré cette chaleur, un doux souvenir de ce moment que vous avez passé ici. Merci beaucoup. Merci. Et profitez bien de cette
offert par la France mutualiste. Merci beaucoup. Bon, allez. Ah ouais. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre le doux de la tyrannie, l'étendard semblant élevé, l'étendard semblant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes muger ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, emmenez-nous à Créon. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. De la nourriture, j'ai pas le temps. Oh, ça ira. Je savais pas qu'il y avait des... Merci. Des bouteilles au nom de l'ONAC... Ah, la France mutualiste et l'ONAC VG, génial. Eh oui. C'est leur cuvée. Eh ben, remarque, on peut mettre l'étiquette qu'on veut maintenant. Alors. À la vôtre. À la vôtre. Bah, bon. Bon, à bientôt. Oui, bon, du coup, on va bien aller parce qu'on a, oui, planté, oui, vous, on a planté nos élus. Regarde. Un paracolo. Quel régiment. Première.